Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soir Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de faire une émote à moins de 25 mètres d'un adversaire. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un adversaire et ensuite savoir à combien de mètres il est. Donc pour savoir à combien de mètres il est, vous avez juste à mettre un petit ping juste en dessous de lui. Donc là on peut voir que l'adversaire est à moins de 6 mètres de moi, donc là c'est parfait. Donc là moi je suis en partie contre des bots, c'est pour ça que le bot ne me tue pas. Donc si vous voulez faire une partie uniquement contre des bots, bah, n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire épinglé, il y a une vidéo qui vous explique comment lancer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite. Donc là ce que je vais faire, c'est tout simplement taper une danse. Donc voilà, je tape une danse et ce que vous allez devoir faire, c'est faire pareil. Donc il faut vraiment être à moins de 25 mètres de distance de l'adversaire et de vous-même. Alors s'il est derrière un mur, bah, c'est l'idéal, hein, vous faites... Oula, il va me tuer. S'il est derrière un mur, ben c'est l'idéal parce que ben vous faites une émote quand vous êtes derrière le mur et ça fonctionnera. Mais bon, là, si c'est en face à face, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Après, 25 mètres, c'est quand même assez large, assez loin. Donc là, c'est 16 mètres. Là, c'est 19 mètres. Donc là, je pense qu'à cette distance, si je fais une émote, ça validera le défi. Donc voilà, dès que vous aurez fait une émote à 25 mètres de distance maximum d'un adversaire, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Après, je pense aussi que si vous êtes, par exemple, l'adversaire est là, il est en PLS, vous faites une émote quand il est en PLS, ça fonctionne aussi, ça peut être une bonne astuce. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.